Le pape François tient à améliorer les relations entre juifs et catholiques. Il s'est adressé jeudi au grand rabbin de Rome, au Portico d'Ottavia, le quartier juif de la capitale italienne. Une résidente souligne que chacun a sa foi, sa religion, ses croyances. Mais il peut y avoir un dialogue avec tout le monde et partout. Il suffit qu'il y ait de l'humilité de la part des deux parties. On peut y arriver. Le grand rabbin de Rome, Riccardo Di Segni, a répondu positivement à l'invitation du nouveau souverain pontife à assister à la messe inaugurale qu'il prononcera mardi au Vatican. Di Segni a appelé le pape François à œuvrer avec lui et d'autres religions pour régler de grands dossiers comme le conflit au Proche-Orient. Le Vatican est présent dans cette région en tant que partie impliquée dans le conflit, pas comme une entité neutre, dit-il. Mais s'il est disponible pour des discussions raisonnables avec une volonté de paix, il est le bienvenu. Di Segni a également ajouté dans sa lettre que les deux autorités religieuses pouvaient travailler ensemble dans des domaines comme la foi, l'éthique et les questions sociales.